Il y a un nouveau pain chez Deleuze, le rustique, je voulais trop le goûter et vu que ce midi je vais chez Michel, je me suis dit que j'allais lui en apporter. Hello Michel! J'ai apporté les courses pour manger. Bien vite, c'est parti! Star du show, notre pain rustique 100% belge, je pense que tu vas adorer. Ça sent bon. Une petite salade, des petites tomates, du gouda, bon cuit, mayonnaise, des petits œufs. C'est tout pris, hein. Y a tout. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en fait, Michel? Ça me fait penser... Croque-monsieur. Mais oui, croque-monsieur. Est-ce que tu as déjà une machine pour faire les croque-monsieur? Non, attends, je dois en avoir une quelque part. Attends, mais hé. C'est ça, ma machine. Parfait. J'ai le comité qui... Moi j'arrive déjà pas à ouvrir, donc c'est pas moi le chef, je crois. Allez, une deuxième. Je me calme, parce que sinon on va plus manger. Mais je suis une très grosse mangeuse de fromage. On fait souvent du gouda. Moi j'adore le gouda. On va manger après, c'est très bien. Non, non, tu es pas gourmande, tu avais dit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On jette pas, hein, pas de gaspillage ici. Hein. Parfait. Et ben voilà, ça cuit. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Elle est pas mignonne, ma petite poêle. Voilà, dis. Ça, c'est un truc de très vieille génération. Je mange quand même un peu avec les yeux. Bon appétit. Moi, j'ai ça de... C'était chez mes parents, donc moi, j'ai ça depuis toujours. Ah, c'est efficace, ça. Santé. Santé. En tout cas, c'est excellent. Ça me redonne envie d'en refaire plus souvent. Un peu plus souvent. On se voit la semaine prochaine. Oui, bien sûr, comme on a dit. Okay. Bisous.